président Buldar, aujourd'hui je vous emmène découvrir une enseigne lumineuse de 4 mètres de haut évoquant Paris by Night, Broadway ou l'entrée d'un théâtre. Sa place devrait être dans la rue, mais le choix de son auteur Damien Berthier est de nous la présenter sur un trépied à l'espace Sextus d'Aix-en-Provence dans le cadre du festival Gamers. Imposante et aguicheuse, voilà des mots qui viennent éclairer ma lanterne devant cette œuvre énigmatique. Il se manifeste une présence, on dirait le totem d'une nouvelle divinité dont le culte serait un rituel autour d'une date, le jour de paye. C'est d'ailleurs, comme nous pouvons le lire en toutes lettres, le titre de l'œuvre. Jour de paye, jour béni qui vient contenter nos besoins, assouvir nos désirs et notre soif de consommation. Cette pièce est spectaculaire, flashy. Elle en met plein les yeux, comme une enseigne de fête foraine. Dans le même temps, cette bannière lumineuse, comme un panneau de signalisation d'autoroute, ne nous prévient-elle pas d'un danger? Car au-delà de l'alternance travail-récompense, il s'agit du temps qui passe et consume nos vies agitées par de futiles et vaines occupations. Le spectacle de la comédie humaine. Voici en tout cas une œuvre dont la forme est originale chez Damien Berthier. Il jongle habituellement avec des objets de la vie courante, des seaux, des chaises et des matériaux de récupération. Ces objets, voués à l'abandon ou à la destruction, trouvent alors une nouvelle fonction, une nouvelle vie dans ses installations et ses sculptures. Il a récemment présenté une pièce uniquement construite à partir de matériaux de récupération d'une grande marque suédoise. Le travail de Damien Berthier engendre des images chaotiques, fourmillantes de formes. Ses œuvres, souvent fragiles et en équilibre, nous posent des questions de société. Peut-être avec Jour de paye, assistons-nous à un tournant dans sa pratique artistique. Souhaitons-lui alors que cette nouvelle démarche paye et recueillons-nous une dernière fois devant cette vanité déguisée.